Hey, yo tout le monde, c'est Franck&Co, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Last of Us. Donc on y va direct, hein. La dernière fois on s'était quitté sur un élan de discrétion tout à fait maîtrisé. Je crois qu'on c'est entièrement faux. Du coup on avait découvert dans l'épisode précédent que, je vais l'appeler Alice, que Ellie... Oh. Merde. Encore des soldats. Cible toujours en fuite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 11. Ah. Je crois pas qu'il nous ait vus. Bref, du coup on avait appris que... Il dit ça, moi je passe au milieu de la lumière gros. On avait donc appris que la petite était... Est-ce que si je me mets là-dessus ? Non. On avait donc appris que la petite Ellie était infectée. Qu'un infecté normal se transforme en deux jours, mais qu'elle... Elle a dit carrément fuck de là où et que ça faisait 3 semaines qu'elle était infectée. Je sais pas par où c'est la suite. On va penser, je vais dire que c'est par là-bas. On va vite faire allumer le système. En haut, okay. Dans ce conduit. Donc c'est pas. On doit pouvoir passer par là. Bien, du coup moi je vais aller voir là ce qu'il y a, voilà. C'est ça le problème avec les jeux dans ce genre là, c'est sécurité que. Non, ils sont encore dans le coin. Je sais jamais. Ok. Je sais jamais. Ouais, ta gueule. Ils sont expliqués, ça plus. C'est que je sais jamais. Par où c'est la suite du jeu, quoi. Bon, là j'ai trouvé, mais. Quand t'as deux choix à faire et que si tu passes trop loin dans l'aventure, dans le choix, dans le mauvais choix, donc l'aventure, et que tu peux pas revenir en arrière après, t'as un peu le seum. Ok, on continue, on court, on est ouf. Bien. Là-bas, y'a rien à prendre. Donc je tourne cet épisode juste après... Bah, l'autre. Ce qui fait que j'aurai de nouveau plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Pourquoi même un autre train ? Ah, c'est bizarre. Coupez-vous, il nous rappelle. On retourne tous au mur. Vous avez entendu ? On se bouge ! Allez. Il y avait un gars, oh trop stylé, il met sa main quand on passe sous l'eau. Trop stylé. Bref, celui qui a dit on retourne tous au mur, remettez, c'était la voix de Fred dans Scooby-Doo. Je suis pas fou. Il fait plus de bruit, Joël. Ils sont partis. Bon, c'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Mmh. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... Quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive pas. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Très bien. La femme qui choisit. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. Putain, les gars, j'espère. C'est beau. Parce que c'est beau. Oh, cette musique. Hop, on continue. Est-ce qu'on a une brique ou quoi? Ouais, on a une brique. C'est cool. Putain, regardez-moi ces gratte-ciel là. Tellement beau. La vache. Alors c'est à ça que ces immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses. Bah ouais, forcément, elle les a jamais vu. Elle a jamais vu les. Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Essayez de tuer le plus d'arrivants. Ça a marché.
Tu vas pas se partir en couille, c'est ça? Taille, c'est moins efficace. Qu'est-ce que c'était que ça? Tess, t'entends ça? Ouais. Mais ça venait d'assez loin. On est en sécurité? Bah non. Allez. Il est dehors, elle est con, elle. Allez, le grand plongeon. Super haut. Bravo. Bon, voilà le capitaine. Ouais, on va devoir faire le tour. C'est le centre-ville, ça? J'ai tué Mufasa! Paf, elle tombe, tu sais. Bref. Du coup, il est pas tombé, là. Ok. Très bien. Hop. Prends gros, relève-toi. Du coup. Par ici. On continue. Alors. Ouais, faut vraiment pas sauter, hein. Putain, la nature là, gros, qui a repris ses droits sur l'immeuble, c'est vraiment stylé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, les gars, je vais vite fait explorer. Tu vois quelque chose, toi? Plus d'armes. Continue. Voilà, les gars. Qu'est-ce que je vous avais dit? On a trouvé des briques et des bouteilles. Chose qu'on possédait déjà, donc c'était inutile d'aller là. Putain, le gars, il a son flingue dans sa poche en pression, le bonhomme. Joël, tu fais un peu badé. Ok. Putain. Souris, gros. Ok, les gars. On va tout fouiller. Bon, peut-être pas tout, mais... Elles sont où, là, les deux? Les deux petites. Très bien, elles sont derrière moi. Et il en manque une, là, non? Elle est où? Elle a pas suivi? Putain, elle est passée où, cette... Hé, hey, petite! Où t'es? Elle est tombée, gros! Elle a dû se casser la gueule. Bon bah, je crois qu'on attendra le scénarium pour qu'elle arrive. Hein. Elle aura une réplique à faire. Il s'est fait massacrer. Le corps est encore chaud. Ouais, peut-être bien. Traînons pas ici. Je sais pas où elle est, mais... En tout cas, elle a pu voir tout ça et elle a pu parler. Donc, elle doit se TP, je pense. Elle doit être bloquée quelque part, la petite Ellie. Super, les gars. Ouais, y'a que Tess hein, avec moi là. Ellie, je sais pas où elle est, gros. Elle me saoule. Ok, les gars, ça va par là la suite de l'histoire. On va prendre ça. Dégage. Alors, y'a quoi ici? Ah! Ok. On va pas sauter, on va sûrement crever. Mais. Toujours dans mes pattes celle-là. Pire que mes chats, gros. Pourquoi je peux pas avancer? Oh, cadavre, gros. S'il te plaît. Tu mets deux coups de pied, il tombe le bordel. Alors, il y a quelque chose là-haut? Ah. Là, un ciseau. On va pouvoir jouer à feuille, papier, ciseaux, mon gars. Hop. On va se mettre plutôt pas mal. Mais merde, un claqueur. Ah. Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Ok, il y a du TP vers nous, du coup. Mais alors, ils sont... aveugles? Si on veut. Ils se repèrent au son. Comme les chauves-souris? Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Sinon, il te repère. Très bien. Du coup, c'est au bout de... Voilà. En gros, les ennemis. S'ils se repèrent au son, on est mal barré vu tout le bruit que je viens de faire. Petite blague. T'as vu ou quoi? Hop, ben. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Joël qui sort ça... en plus grand de tous les calmes.
T'as jamais vu un gars aussi calme te sortir ça? Ok, oh putain gros. Sérieux? Tout va bien. Y'a aucun problème. C'est marrant de voir qu'elle stresse un peu. Ah, c'est si. La petite souris. Sans pression aucune. J'ai la flemme de lire honnêtement. Pas que ça m'intéresse pas. Oh, c'est triste. Les photos. Waouh, wow, c'est ventilateur en face, gros. À côté là. Aïe. Je me suis fait mal tout seul. On peut en parler effectivement. On le fera pas, mais on. Et voilà, gros, comme par hasard, c'est genre moi qui douille. Mais wesh! M'a foutu une gifle! Putain! Pourquoi c'est moi la victime dans tous les jeux là? Ça va? Allons chercher des vivres. Ah, enfin on peut vous confectionner des trucs. La vache! Comment c'était tendu? J'en ai que 5. Ça, je m'en bats les couilles. Alors! On va se faire des sueurs, hein, les gars. Hop, donc là c'est le menu confectionné, donc pour l'instant on peut faire que des surins. Mais après on pourra faire plein de trucs, hein, comme pouvoir avec les chiffons, l'alcool, les explosifs et le sucre. Et on pourra améliorer son arme de mêlée. Vous verrez, ce sera ouf. Ce sera plutôt pas mal. Allez, foutons le camp d'ici. Ouais, par contre Coco, tu vas me laisser explorer vite fait. Voir si je trouve pas de la... Putain, tiens, allez vite quoi. Oh, si je trouve pas de la bouffe ou quoi, parce que là il m'a mis mal le bâtard. Très bien, là y'a rien. Là-dedans, ça a déjà été pris. Ok, très bien. Donc c'est... j'ai le don pour aller dans la suite de l'histoire, gros. Alors j'ai rien demandé à personne. Tout ce que je veux, moi, c'est trouver des. Ah. Voilà, utiliser le surin pour voir la porte. Voilà quoi, ça sert les surins. Aussi. Ça va découvrir des nouveaux endroits. Et dans ces nouveaux endroits, bah. T'as plein de trucs, hein. Regarde. T'as des petites pilules pour améliorer. Des balles. Wouah, 25 petits balles. Machin. Putain, 25, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc voilà, pourquoi faut toujours avoir un sur un sur soi. Tu me diras, là, je pourrais très bien reprendre la lame, hein, mais. Mon perso veut pas, hein. C'est un gars, genre, tu fais tomber ton téléphone, lui, il en veut un nouveau, gros. Ok, là, il y aura quoi? De l'alcool, les gars. On va se mettre bien. On va en jailler-test et après, on va faire des trucs stylés avec, tu vas voir. Hop, il n'y a pas... Ah. C'est... plutôt pas mal. Est-ce que je peux pas me faire... Je peux rien me faire du tout. Je peux rien me faire, putain. En fait, j'aimerais me prendre de la vie, mais je peux pas. Tant pis, les gars, c'est pas grave. Où sont mes amis? Ils sont là-bas, mes amis. Ouais, calme-toi déjà. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. Elle m'a saoulé. Hop. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Et... Allez. Waouh. La meuf elle m'a sauté dessus, gros. Je suis pas bien. Okay. Allez mon grand, donne-moi la main. Allez. C'est la dernière fois que tu m'appelles comme ça, meuf. Ok. Vieille meuf. Allez, mon grand. Merde. Go. Oh fuck. On bouge plus. Tranquille. Allez, les gars, faut toujours rester tranquille. Ok, cool. On va prendre ça, ça m'a l'air d'être mieux. Bien.
Du coup, je pense pas qu'on doit l'affronter direct, hein, si. Non, je pense pas. Je pense que c'est une mauvaise idée de tenter de l'affronter direct. On va balancer un bordel un peu par là-bas. Putain de connard, t'as vraiment entendu, t'es sérieux, gros? Ok. Oups. Attends, on va le balancer un peu plus loin là-bas. Ok, voilà. On va prendre la petite bouteille. Voilà les gars. Par contre, je suis sûr qu'il y a un truc de ouf ici. Non? Serais-je trompé? Oui les gars, c'est complètement con ce que je viens de faire, mais... C'est pas grave. C'est bien, lui il a cru qu'on était potes, mec. Regarde ce que je vais faire, moi. Voilà, hop, comme ça. Il vient pas me casser les couilles. Ok. Bien. Je crois que c'est bon. Ellie, je crois, oui. Bien. À part que je me suis pissé dessus... C'est parti. Juste une... Allez. Ok les gars, jouez la belle time. Et voilà mesdames. Ok. Allez. Hop. L'escalier est bloqué. Et bien. What? Sérieuse? C'est ouf, hein. Le bordel, gros, tu... Ça bouge, gros. C'est pas bien. Ah, d'accord, mais c'est pas une... C'est un truc... Non, c'est la bouche normale, c'est pas... Tranquille. Oh là là, bon, je fais ça tous les dimanches, les gars. Et ouais, au pire, on aurait pu tout simplement arriver là, péter cette fenêtre au lieu de faire tout le tour là, non? Ok, gros, il m'a fait peur ce matin. Oh! Ok, utiliser la roue des armes. Très bien. Ok. Attends, ça. Donc quand tu fais ça, ok. Hop. Voilà. Il me faut de l'alcool et du tissu. C'est pour ça que, j'en voulais avant. Donc moi je vais me faire un peu de ça les gars. On pourra pas s'en jaillir, désolé. Tac, ça je vais le prendre aussi. On est équipé les gars, pareil, équipé. Pardon. Je vais aller voir. Reste avec la fille. Les coureurs les gars, j'aime pas. Mais les coureurs toi ne chutes pas, alors que les claqueurs, oui. Et oui, j'ai bien dit claqueurs. Et les coureurs pour voir, pardon, pour voir la lumière. Et ça c'est le plus chiant avec eux en fait. Que les coureurs, bah, ils peuvent te voir. Mais en revanche, c'est comme des humains. La manière de tuer ou quoi, c'est tout comme des humains. C'est juste qu'ils ont pas le même... En sens... ils ont... Comment dire... En gros, les claqueurs, tu peux pas t'approcher d'eux, alors que eux, tu peux. Les claqueurs, tu dois les éviter si tu veux survivre. Ok. On va le laisser faire ses bails tranquillou. Parce que ça, tu vois, je suis en train de dire que si je m'approche de lui, il va me rusher dessus, les gars. Du coup, je sais pas ce qu'il faut que je tue tout le monde. J'en pense avant. Ensuite.
On avait 3, là j'en vois plus que 3. Non, c'est bon, ils sont 3. On a 3, dont un claqueur, c'est ça. 4, ça c'est un claqueur, ça, les gars. Oh, fichu. Faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie. Ok. Non. Ah, ok. Ok, moins 1. Cours, Frankenko. Ok, balirin, je sais pas quoi, paladin, là, je peux pas grimper là-dessus, fais chier. Ok, cool, je les ai perdus en courant assez vite. C'est bon à savoir ça. Donc là, les potes, c'est le claqueur. On va tenter de la tirer un peu plus loin. Attends, le PC, il a rien entendu. Je suis hyper mal placé là, les frérots. Bah, typiquement, lui, il va rien me faire. Tant qu'il me faut rien, lui, il me fera rien. Oh non, faut pas que le claqueur me trouve. Dégage! Je me barre. Tiens, et... Mais cours! Je peux pas courir en arrière, les gars, putain! Cours, c'est rien, t'as pas mal, Joël. Allez. Ce bâtard veut mon cul! J'ai voulu lui tirer dessus, mais j'ai pas réussi. Tape! Te laisse pas faire, mon Joël, te laisse pas faire. Ok, il est mort. Non, utilise ça. T'occupe pas du reste. Ok, les frérots. Je suis un gars, c'est 10. Ça, les gars, c'est le pire. C'est bon, je dois tout recommencer, quoi. Fais chier. Bon, toi, gros, déjà, tu viens. Wesh, copain. Tu parles pas, tu bouges pas, tu te tais. Ok. En moins. Non, les gars, je prends ça. Il est où, le claqueur? Ok, c'est le claqueur. Le cœur est là, techniquement il va rien me faire. Putain, mais d'où il s'approche de moi, lui? Recul. Ok, donc là pour l'instant il n'y a que lui qui peut me voir. Je sais pas où aller, les gars. Ok. Là je suis au milieu de tout le monde, gros. Je sais pas bien, c'était complètement stupide de faire ça. Mais je jure, ça l'a pas tué one shot, quoi. Je trouve ça un peu con. Mais bon. Nique ta mère, gros. Cours, Joël, je te laisse pas intimider. Il est saoul, je peux me le faire. D'où? Bon, je vais crever sûrement, les frérots, mais c'est pas grave. Cours, t'arrêtes pas, Joël. T'arrêtes pas, c'est que des bolos. Allez, soigne-toi. Je peux pas me soigner. Moi, je suis mort. Au revoir. Si je survis à ça, les gars.
fait, ils sont cons. Cours, 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 mon Jojo, cours. J'ai le temps. Tire-lui dessus. Occupe-toi de lui. Ok, il est mort. Non, le claqueur. Non, 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 pitié, non. Une balle dans la tête, les gars. Une balle dans la tête, il est pas mort. Comment je fais? Tu vas me saouler, gros. Tu parles pas. Ensuite. Non, mais c'est une blague. Nique ta mère. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. J'entends le claqueur qui est derrière moi. Je pense que je suis foutu, mais c'est pas grave, on va continuer de try. Ok, c'était pas la bonne touche, allez, YOLO, comme on dit dans le milieu. Il est mort? Ok, il est mort. Ensuite, il y a l'autre enfoiré de merde. Alors. Il ne reste plus que lui. Cours, 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 Joël, cours. Allez, viens. On va changer d'arme, du contre-temps, voilà. C'est une blague? Les gars, c'est une blague. Tirons-nous d'ici. Comment on recharge mon jeu de merde? Déjà, je prends ça. Ensuite, bah, c'est pas carré pour recharger. Non, triangle, rond. Merde, mauvaise touche. Oh bah tant pis. Tant pis, tant pis, les gars. Bon bah que je me rappelle comment recharger dans ce jeu. Bah il me semblait que c'était carré moi, mais... Ah très bien, donc quand j'étais dans la merde, en fait, j'avais juste à courir là. Et me barrer. C'est une blague. Bah y'a un gun en plus ici les gars. On va le ramasser. Lâche tout. Lâche ! Joël, tu lâches ça non ? Ok, tiens bon. Bah non, je peux pas lâcher en fait. Parce qu'on est en... On est en pente. Si je lâche, le truc tombe en fait. Cool. D'accord, donc chaque... Okay. Oh putain les gars, c'était showtime. Hein. Du coup l'épisode fait 10 minutes de plus. Hop, on prend ça, il n'y a pas moyen que je me confectionne un petit bail. Oui. Bien. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire les gars, si je continue l'épisode maintenant du coup ou pas. On va s'arrêter là. Voilà, sur cette magnifique vue. Donc en tout cas les gars, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'ai vraiment pas... Oula. J'ai vraiment galéré là, mais c'est pas grave les gars. Nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de The Last of Us. Voilà. Allez, bye tout le monde.